Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes raisons qui peuvent amener votre lave-vaisselle à ne plus chauffer. Cette liste n'est pas exhaustive, donc si jamais je n'ai pas énuméré votre cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous tenterons de vous aider. Le temps pour vous de vous abonner et je vous explique tout ça. Premier cas possible, la résistance. C'est l'élément chauffant de votre appareil et si celui-ci est défectueux, malheureusement, votre lave-vaisselle ne chauffera pas. Pour la tester, vous devrez prendre votre multimètre, le calibrer sur la position 200 ohms ou ohmmètre s'il est à calibrage automatique, mettre les pointes de touche sur chaque borne de la résistance et vous devez trouver une valeur entre 20 et 60 ohms. Si vous n'avez pas de valeur du tout, c'est qu'elle est coupée et il faudra alors la remplacer. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à la regarder pour vous aider. Autre cas possible, un défaut de la sonde CTN. C'est elle qui permet de réguler la température dans votre lave-vaisselle. Si elle est défectueuse, elle peut indiquer une mauvaise valeur et empêcher votre lave-vaisselle de chauffer. Sa valeur étant très différente d'un lave-vaisselle à un autre, si vous voulez connaître la vôtre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en n'oubliant surtout pas la référence de votre appareil. Certains lave-vaisselles sont équipés d'un capteur haute pression. Et si celui-ci est défectueux, malheureusement, il n'y aura pas de chauffe dans votre appareil. Ce capteur a un micro-contact que vous pouvez tester au multimètre, en position ohmmètre ou test de continuité. Si vous avez une faible valeur en appuyant dessus, c'est qu'il est fonctionnel. Si vous n'avez pas de valeur du tout, c'est qu'il est coupé et là, il faudra alors le remplacer. Surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour qu'on puisse vous aider. Dernier cas de notre liste, la carte électronique. C'est un peu le cerveau de votre appareil et c'est elle qui permet d'envoyer la tension aux différents éléments de votre lave-vaisselle. Si la carte n'envoie aucune tension à la résistance, votre lave-vaisselle ne pourra pas chauffer. Mais attention, c'est une pièce qu'on ne peut pas contrôler et c'est surtout la dernière pièce qu'il faut incriminer lorsque votre appareil ne chauffe pas. Il faudra au préalable avoir vérifié tous les éléments précédemment cités avant d'envisager son remplacement. Vous pouvez trouver la vôtre en indiquant la référence sur notre site, le lien est en description. Voilà, vous savez comment réagir si votre lave-vaisselle ne chauffe plus. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye !